Quel est le pouvoir de la science? Le dernier va vous faire perdre la mâchoire. Versez de l'eau bouillante sur le poisson. Vous pouvez facilement enlever la peau du poisson. Le riz est accidentellement cuit en un riz fin. Mettez un morceau de pain sur le dessus. Attendez un peu. L'eau est absorbée par la tranche de pain. Vous n'allez pas le croire. Avec juste un mince morceau de papier toilette, vous pouvez filtrer l'eau sale en eau potable. C'est le phénomène capillaire. Découpez un petit morceau de sac poubelle. Frottez-le sur votre pullover plusieurs fois. Mettez-le sur un ballon et il volera. Découpez un petit carré d'écorce d'orange que vous ne pouvez pas finir. Mettez-le dans un bocal. Ajoutez le bicarbonate de soude et l'eau et gardez le tout fermé. Vous pouvez faire un détergent entièrement naturel. Coupez un citron même, air. Plongez un coton-tige dans le jus. Tout ce que vous écrivez sur une feuille de papier blanc. Quand il est chauffé, on peut le voir. C'est le livre sans parole. Enlevez la partie supérieure de la bouteille vide. Le comprimez en un trapèze. Mettez-le sur votre téléphone et regardez la vidéo en 3D. Vous pourrez regarder des vidéos 3D à elle. Il nu. Essayez-le à la maison avec vos enfants pendant les vacances. Il est préférable d'apprendre la science 100 fois. Pourquoi ne pas faire l'expérience avec votre enfant? Tenez votre enfant à l'écart des distractions des téléphones portables. Améliorez ses compétences pratiques et sa pensée logique.